Salut à tous, bienvenue dans Little Miss Fortune. C'est un jeu où on va incarner une petite fille qui n'a pas vraiment beaucoup de chance. C'est parti! Il tombe. C'est un messager, le renard? Messager de la mort? Avec la musique, cool. C'est quoi le lutin qui est en bas? Il a des pouvoirs, ce petit renard, on dirait. Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end, and you'll be rewarded. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. Huh, I can hear you now. Oh? Are you inside my head or something? Well, okay. Yes. All right. I'll call you Mr. Voice. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Oh. Wonderful. C'était quoi ça? Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay. I'm gonna do it. Cliquez sur le bouton gauche pour marcher. Parce que j'ai choisi d'utiliser la souris. Ok. Bouton de gauche pour interagir. Benjamin. Look, I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Look, I drew this picture. It's the fox I see out. I call him Ben. He's a really cute fox. Ugh, I... Alors, il faut qu'on se balade dans la pièce, c'est ça? I like to move my body. It's the music that goes on forever.
La mélodie du bonheur. Alors, c'est quoi ce licorne? On peut voir quelque chose? Non. Ah si, là. Look, I made these paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. My glitter. On a récupéré des paillettes. Faut que je clique dessus. Placard, y'a rien. Ah si. I saw a monster in here once. I showed it the finger and it. Je lui ai montré le doigt du milieu, il n'est jamais revenu. Excellent. Ça j'ai vu. Je peux lui mettre des paillettes. Look, bien. I made this. This is Kimberly and this is there on a trip. Je sais pas s'il y a un intérêt d'envoyer les paillettes. Ça je l'ai vu. Look, this is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. Aww. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Donc on peut choisir des choses, regarder. I love my coloring book. Je sais pas moi, on prend. I'm gonna take it with me if I get bored, okay? Donc apparemment on doit faire des choix qui vont peut-être influencer un peu l'histoire. Ça c'est quoi? This is my diary. Nobody's allowed to read it. Want to see? Ah bah oui. Oh, elle est mignonne. Mister, Miss Fortune Ramirez Hernandez. I'm so cute. Bah oui, elle est trop mignonne. Did you draw all this? Uh-huh. Dessiner. Je crois que c'était une photo. J'adore jouer avec mes jouets. Je leur parle des fois parce que c'est rigolo. Salut journal, aujourd'hui à l'école j'ai fait un dessin et après à la maison j'étais dans ma cachette en train de parler à Bubsy quand tout d'un coup je l'ai entendu. J'ai vu un renard qui sortait de ma chambre, il s'appelle Benjamin, enfin je crois. Benjamin. Ugh, that fox. Yes. Salut journal, mon papa m'a encore menti, on va pas aller au parc aujourd'hui. Je m'étais faite toute belle mais il en a rien eu à faire. J'étais triste et j'ai pleuré mais j'ai dit à maman que ça allait. J'ai peur que si je lui dis que je suis triste, elle se mette en colère. Des fois je sais pas comment je dois me sentir, d'ailleurs personne ne m'explique jamais comment je dois me sentir. J'aimerais bien qu'à l'école ils nous apprennent d'où ça vient les sentiments, mais pour de vrai hein, pas des histoires pour les bébés. Oh, yikes forever. Benjamin, salut journal. Tu crois que c'est possible d'avoir des sentiments pour un renard? Benjamin est venu me voir quand je jouais dehors et on s'est regardé et ça m'a fait tout chaud dans le ventre. C'était comme si j'allais vomir de bonheur. Après, maman m'a appelé pour manger et Benjamin est parti en courant. The puke of love, that's what it is. Salut journal, tu sais, mon papa tape ma maman. Est-ce que c'est normal? Il faut que je tape les gens que j'aime aussi? Je pense pas que ce soit bien. Peut-être que papa se rend pas compte qu'il me fait mal à moi aussi quand il tape maman. En tout cas, je jure que je serai jamais comme mon papa. Aujourd'hui, j'ai joué à que je prenais l'avion pour le Japon et que je voyais plein de trucs intéressants que je connais du Japon parce que mon ami, il est japonais et il aime le sushi. I don't like it when daddy hits mommy. Mon ami japonais parle japonais, du coup on a
un peu de problème quand on essaie de discuter. C'est difficile de se comprendre, on a du mal. Mais je l'aime bien, il a une jolie paire de bottes et un chapeau de cow-boy. Il s'appelle Hiro et c'est un fantôme. Je lui ai fait un dessin, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lui donner. That's Hiro, my Japanese friend. He's a ghost. Salut journal, aujourd'hui j'ai ramené des paillettes de l'école. Elles brillent trop et on les a utilisées pour faire des cartes de Noël. Moi je trouve ça joli les cartes de Noël, mais je crois que le Père Noël il existe en vrai. S'il y avait vraiment un monsieur qui pouvait donner un cadeau à tout le monde, alors pourquoi ? Je crois pas que le Père Noël existe en vrai. S'il y avait vraiment un monsieur qui pouvait donner un cadeau à tout le monde, alors pourquoi il amène pas de l'eau et des choses à manger aux gens qui sont pauvres ? À la télé, j'ai vu une émission avec des gens dans d'autres pays qui avaient rien à manger. Enfin bref, je crois pas qu'il existe le Père Noël, mais mes paillettes, elles sont géniales. Je vais les utiliser sur toutes les choses qui me rendent triste ou qui m'énervent pour me les rendre plus jolies. Comme ça, je serai un peu moins triste. Glitter. I love my glitter. Salut journal, aujourd'hui je suis allée cueillir des tomates avec mamie. Ça sentait trop bon, j'ai vu les papillons et aussi plein d'autres insectes. J'ai mangé deux tomates et après j'avais plus faim. Salut journal, tout à l'heure quand j'étais sur mon tricycle parce qu'on n'a pas assez d'argent pour un vélo, j'ai regardé le soleil et j'ai un peu pleuré parce que ça faisait mal aux yeux. Maman, elle m'a dit qu'il fallait jamais regarder le soleil directement. I made a real nice drawing there, you see? Yes, very nice. I did a coloring too. Impressive. Salut journal, c'était rigolo aujourd'hui parce que j'étais au lac et j'ai vu des oiseaux qui volaient dans le ciel et aussi des poissons dans l'eau. À un moment, l'eau qu'il y avait autour de mes fesses est devenue toute chaude. Salut journal, comment ça va? Moi aussi je vais bien. J'ai des devoirs à faire, mais j'arrête pas de penser à Benjamin. I peed in the lake. It was really warm. J'ai trouvé une photo de moi quand j'étais petite. Ça passe vite le temps, le gâteau a l'air trop bon. Il est de costume pour Halloween, petite Madame Renard. Look at that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. Tu peux pas te nier? This is Popsy, the guardian of the secret spot. You see his eye? Oui. He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. On a fait le tour. On va sortir. Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No, you can only choose one. And remember, your choice is much more important than you think. Okay, I choose... La licorne ou la pierre? Je sais pas, je prendrais bien la pierre moi. I choose the stone that he threw at me once. Interesting choice. Et alors, c'est une pierre. I call him Stony because he's a stone. Get it? Stony the stone. That's very clever. Ok, on a récupéré la pierre. Ah, and so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shadam! Happiness to No. Hey, you, on the other side of the screen. Oui. Remember I told you she was going to die today? Oui. Let's keep that a secret between no. us, all right? Oh, y a le renard d'or. This is Grandma. She wears a diaper too. You still wear a diaper? Nah. That was so last year. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Damn it, it's all broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell on me.
Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. Alors, on a le choix entre réparer le vase ou ne pas réparer le vase. C'est des succès différents. Mommy likes to collect glasses. I broke a couple once by running too fast. Did mommy find out who did it? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days. C'est des succès différents, donc je vais faire une sauvegarde. Et je vais revenir pour faire le deuxième succès. Je vais le réparer et après je vais revenir et faire le deuxième succès où je le répare pas. Alors avant, je vais déjà regarder la photo. Mommy said she married Daddy because she was expecting me. Oh. She wanted to have an abortion, but it's illegal and against the law. That's kind of the same thing. Yes. Alors on répare le vase. Maybe I could try to fix it. I'm gonna do it. I'm doing it. Alors, on est la main. Comment ça bouge? Ça. Ça, ça va là. La fleur. I did it. On a réparé le vase, donc on a un succès, la cause. Donc maintenant je vais recharger ma sauvegarde, on va voir ce que ça donne. Try to fix it. Le laisser où il est. I'm just gonna leave it there. I'm a little lady, you know. Tu peux être succès? Mommy said she married Daddy because she was expecting me. She wanted to have an abortion, but it's illegal and against the law. That's kind of the same. Yes. Ok, j'ai pas eu de succès. Je sais pas pourquoi. Look, that's me. Mommy told me I have to smile even when I'm sad. Paquet de cigarettes. My daddy's friend was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died. And she was so sad. La cuisine. It smells like cigarettes. Ah bah tu m'étonnes. Yeah, that's my mommy. She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready to complete your first mission? Yes, I am. I'm gonna get that prize. C'est quoi la première mission? C'est sortir de la maison. Oh, les lapins. Get rabbits again? When will daddy learn to like them alive? Oh. On peut mettre des paillettes là? Oh. Rabbits, like, when will daddy learn? Je peux? Ok. C'est fait une fois, c'est fait. Il y a un truc là. C'est quoi ça? Mommy, this smells really bad. What is it? Ça sent vraiment pas bon. That's what it is. Yikes forever. Mommy, this smells really bad. Ah, c'est bon, si je l'ai fait. Yikes forever. Comment ça va? Ah, je peux mettre des paillettes là.
We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and daddy actually said hi to me. Le même petit bonjour. Putain, les paillettes. When I grow up, I want to be just like my mom. C'est pas beaucoup de jus. That's today. 11 octobre. On va sortir alors. Dire à maman que tu sors? Bah non. We go quiet, ok? Good day, morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, ok. Good afternoon, morning. Good afternoon, morning. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux pas aller par là? Remember Benjamin the Fox? This is where I first saw him. He was hiding in the trash and we made eye contact. It was really intense. Yes, you told me about that fox already. You shouldn't trust a fox. They're all criminals. What? A fox criminal? That's silly. This pool smells like a toilet. Because I pee on it. That is disgusting. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. This is where daddy often sleeps. Daddy? No, il est pas là. La famille parfaite. Oh, le petit chat. Hello, kitty. Here, come. Come, kitty. Kitty, kitty. Kitty! Mignon, mignon. Oh. Kitty, don't go! Damn it. I never get to pet the sweet animals. Gentil, je sais pas trop. Hein. C'est un truc, hein? Ah, c'est les paillettes. Traverse la rue. So, before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. All right. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, choices? There is no right or wrong, only consequences. Okay, okay, only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. All right, I can do that. Look to the left, look to the right. Any course? No. Okay, I'm going. C'est quoi ça? I saw a monster! What monster? I didn't see anything. It was there. I saw it. It's probably just your imagination. Yeah, that's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. Alright. C'est pas un petit corbeau mort là? Look, a sleepy bird. Non. Come on, Miss Fortune. Il dort pas. Let's là. Go now.